Salut les fans de Pokémon, c'est Raymond, et on se trouve pour la suite de l'aventure, c'est parti. On s'était arrêté ici, c'est vrai. Mon Pokémon, Brindibou, il a l'air d'être en forme. Enfin, assez en forme. J'espère qu'on va capturer de nouveaux Pokémon, ce serait pas mal. Alors ça a l'air d'être là. Ah ouais, c'est quoi cette maison là? Vas-y, Rocabo, déchaîne-toi, t'inquiète, ton tour de forme peut encaisser. Oh non, il recommence. Que penses-tu du laboratoire? Il a un certain charme, je trouve. C'est vrai que ça change des laboratoires qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui. Cela fait maintenant 3 mois que le professeur m'offre l'hospitalité. Je ne suis pas sûr d'être une assistante des plus efficaces, mais c'est ma façon à moi d'essayer de le remercier en lui étant utile. Cela dit, je pense qu'un dresseur lui serait bien plus utile que quelqu'un comme moi. Qui ne connaît rien de Pokémon? Rockrunch. Ah ouais, le jeu, il est full animation, j'adore. Le professeur n'a peur de rien. Il teste les capacités à l'intérieur du laboratoire. Je crois qu'on peut encore dire adieu au trou. En plus, il y avait l'air d'y avoir des panneaux solaires, là, photovoltaïques. Et je ne parle même pas de sa bouche, blouse blanche, pardon. Fraîchement lavé, repassé et amidonné avec amour. Enfin, j'y connais rien en lessive, donc je donne tout au pressing, mais quand même. Bien, entrons. Ça change des laboratoires qu'on voit d'habitude, c'est vraiment sympathique, ça fait très familier. Ok, ah le fameux aquarium. Ouais, il y a des corallons et l'obélisque. Salut Rayman 7, merci d'être allé le chercher, Miss. C'est bien normal, vu que je suis votre assistante, c'est mon travail après tout. Grâce à ça, j'ai pu avancer dans mon boulot et Rocabo a appris des capacités bien stylées. Assez de blabla, Rayman 7. Passe-moi ton Pokédex une seconde, tu veux? Faut pas que j'hésite à prendre des screens, c'est vrai. Au fait, Lily, tu te plais toujours ici? Tranquille, non? Moi j'adore. Sinon, le matos que j'ai commandé vient d'arriver. Ah, Eh bien, Lily, tu as perdu ta langue? Ne laisse pas causer tout seul, là. Bref, passons aux choses sérieuses. On peut mettre Motisma dans le Pokédex. Un Motisma? Ah, si tu veux des informations sur Motisma, je peux te renseigner. Étant majoritairement constitué au courant électrique, Motisma est un Pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines. Oh yeah. Et pour tirer parti au maximum des drôles de pouvoirs de Motisma, on a eu la superbe idée, toi bien, de créer une nouvelle génération de Pokédex. Que Motisma peut intégrer. C'est ouf. C'est un mode de communication révolutionnaire entre les hommes et les Pokémon. Ces nouveaux Motisma Dex sont encore méga rares pour l'instant. Tu réalises un peu la chance que t'as. Laisse-moi juste bidouiller ton Pokédex et y ajouter les pièces que je viens de recevoir. Mais c'est dire, est-ce que Motisma il pourra sortir de dedans? Titi. Eh, désolé Motisman, je voulais pas te faire peur. Titi? Je t'ai mitonné un Pokédex aux petits oignons, Motisman. Tu m'en diras des nouvelles. Maintenant que tu vas pouvoir donner un coup de main à ton dresseur. Ah ah, coup de main. Je suis vraiment trop beau. À cause de la capacité, d'accord. Alors, qu'est-ce qui nous bricole? D'accord. Yes, le voilà. Moti, salut. Ah, j'ai même pas lu ce qu'il avait écrit. Regarde maintenant que le Motisman est dans le Pokédex, il peut te parler. Je crois qu'il t'a la bonne. En quoi est-ce que Motisma va être si utile? Parce que notre ami Rayman 7 vient de débarquer à Alola, pardon. Il ne connaît pas encore bien le coin. Bref, c'est cadeau, profites-en. Trop cool le Motisma. Allez, je vais mettre ça. Tu vas voir, Motisman est super pratique. Avec lui, tu ne risques pas de perdre. Il suffit de toucher la carte, il s'affiche, d'accord. Et il y a quelqu'un qui rentre.
Allô là, il fait trop beau aujourd'hui. Avec la petite brise marine, tu vas bien et tout. Ça m'a motivé pour venir te voir. Waouh! C'est une mezzanine là-haut? Trop classe. C'est privé. On reconnaît bien les fils. Ouais, j'ai prêté la mezzanine à Lily pour la dépanner. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la dèche, faut bien lui tendre la main. En tout cas, man, éclate-toi bien avec Motis Madness. Et toi, Motis Man, prends bien soin de mon poteau Remensé. Alors c'est ça, le Motis Madness, j'imaginais pas que ça serait si mimi. C'est pas tout ça, mais faut qu'on parle du tour des îles. Alors ils ont arrêté la musique, c'est-à-dire qu'il va se passer un truc. Je te vois déjà venir, le forme, mon pote, c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est ta chance de devenir lauréat du tour des îles, rien que ça. C'est une super aventure pour ton Pokémon et toi. Il y a 4 îles d'Alola, à Alola, et à chacune son doyen. Pour gagner leur respect, tu dois remporter des 7 épreuves. D'accord. Franchement, j'aimerais bien que vous tentiez le coup, Brindibou et toi. Avec que ton premier combat, purée, j'étais soufflé. T'as super bien utilisé les capacités de ton Pokémon. Je sens que t'as le truc pour maximiser le potentiel de tes Pokémon. Ça me tente bien ce tour. Nickel, tu sais, j'ai passé ma vie à observer les Pokémon, j'en ai un rayon. Et ça me fait vraiment plaisir que tu te lances à l'aventure, ça va te changer la vie, promis. C'est quoi ça? Laisse-moi juste te donner un dernier truc. Tu le montres et hop, tout le monde sait que tu fais le tour des îles. Ah d'accord, c'est un genre de badge, un genre de passe qu'on ajoute au sac, c'est vraiment pas mal. Trop bien, papé m'a donné la même chose. C'est bon, vous êtes parés, allez la jeunesse, en route. En route pour où? En avant pour l'école des dresseurs. Pour progresser, faut pratiquer, mais avant tout, tu dois apprendre les bases. Pour ça, tu devais aller à l'école des dresseurs et après, en route pour lauréat du Tour des îles. Cette branche, Tilly. Oh, moi, tant que je peux m'amuser, m'entraîner avec mon équipe, ça me va. Le Tour des îles, c'est donc une manière de fraterniser pour le de fraterniser d'accord pour le peuple d'Alola. Miss, je te confierai 27, ok? Tu lui serviras de guide jusqu'à ce qu'il pige comment Motisma Man fonctionne. Très bien, on invente tout. Si tu as oublié où aller, touche le milieu de la carte, je te donnerai un coup de main, Motisma. D'accord. Donc ça c'est quoi? Ah d'accord, il y a plusieurs genres de régions. Intéressant. Donc ça doit être l'école des dresseurs. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est là où je dois me rendre sûrement. On va se balader. Je peux pas monter? Ah bah si, c'est sympa en fait. Oh, il y a un corneille. Franchement, très sympa. Allez, on va descendre. Le bruit de l'aquarium là, vraiment cool. Au cabot. Ah, il y a des portes là, on peut y aller ou pas? Ah, c'est des fausses portes. Une pièce cachée. Ah, il y avait un sous-sol, je vais y aller. Je vais y aller d'abord. Ou attendez. Hop là, je suis désolé, petit problème d'encodage. Ah ouais, pas mal. C'est quoi ça? Je peux pas tourner la caméra. Ça a l'air passionnant ce qu'il étudie. Il y a des livres verts qui ressortent plus que d'autres. Ah, ils viennent de là, les Love Disc. Bon, allez, on va grimper. Grimper, façon de parler. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, même moi? J'ai envie de voir ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on peut rencontrer des Pokémon? Bah, là-dedans, sur le bord, non. Pas comme ça. J'ai vu qu'il y avait de l'herbe. Peut-être des objets. Ah, d'accord, ça, ce sera quand on aura les montures. Vers la colline d'Icarate.
Toi, tu me dis quoi? D'accord, tu m'apprends les bases. J'aimerais bien capturer un nouveau Pokémon si c'est possible. Ah, elle veut faire du combat. On va lui parler par derrière. Allô là, émerveille-toi devant mes adorables Pokémon, c'est un or. Ouais, mais tu me tournes le dos. Let's battle, Dorothée. Bonjour à toutes les Dorothées de France et du monde même. Brindibouille. Elle a l'air contente de combattre. C'est peut-être parce qu'on prend soin de lui. Ah, on est plus lent. On est plus lent qu'un Golo Aenis, quoi. Faut pas abuser. Quoi. Allez, feuillage, cool. Une trace, on évite l'attaque, ça c'est bon. Il est KO, parfait. On monte au niveau 10, c'est encore mieux. Je trouve que c'est trop stylé les animations. Ah, en fait, t'es un dresseur super balèze, si j'avais su. Avec cette tête de déçu, quoi. Qu'est-ce qui est écrit? Conseil au dresseur. D'accord. Faudrait peut-être que je capture des Pokémon après. Ramolos. J'ai envie de capturer que des Pokémon, on va dire nouveaux. Soit Formalola, soit 7G, pardon. Ou HKO, c'est normal. Coup critique en plus. Il s'est fait victime. Bon, moi j'ai envie de me soigner surtout. Allez, on va voir notre maman 2 secondes histoire qu'elle nous soigne. Même si je pense qu'il va falloir qu'on passe au centre Pokémon. Mais il vaut mieux être trop prévoyant qu'on passe. Alors s'il fait jour, c'est parce que je joue là le soir. Attends! Avant que tu n'ailles à l'école de dresseur, je vais te présenter un peu le centre Pokémon. En fait, j'ai fait un détour pour rien. Pas grave. Ça, j'avais vu dans la démo. Ah, c'est le PC qui est à droite, là. C'est vraiment sympa. Si ton Pokémon est blessé, adresse-toi à l'infirmière de la réception. Elle te le soignera sur le champ. C'est vraiment pratique, surtout pour moi qui ne supporte pas de voir un Pokémon souffrir. Le PC que tu vois là est utile pour stocker ou retirer les Pokémon. C'est là, ça c'est la boutique Pokémon, tu peux y acheter de nombreux objets utiles lors de tes aventures. Je te conseille d'y jeter un œil. Et pour finir, il y a le café. Moi j'adore venir ici pour boire du lait meumeu. Mais après ce que j'ai lu dans les guides touristiques, chaque centre Pokémon propose une carte différente. Chacun a sa spécialité. En quelque sorte. De plus, on te propose non seulement des boissons et des expériences guides, mais aussi des conseils fort utiles pour ton tour des îles. Ah ouais, pas mal. Bien, mettons-nous en route pour l'école de dresseur. Mais avant tout, n'oublie pas de faire soigner ton Pokémon s'il n'est pas en forme. J'aimerais voir à quoi ressemble le PC. J'ai toujours pas vu. Ah, on peut acheter ce qu'on veut. Jus d'ananas. J'avais pas... C'est nouveau, ça. Est-ce que je peux acheter des balls? Acheter, j'ai combien? Ouah, j'ai autant d'argent! Ah, je pensais pas. Allez, au niveau des Pokéballs, on en a combien? Dans le sac, j'en ai 11. On va en acheter 10. Plus une Honor Ball, peut-être. Voilà, et puis voilà, ça suffit. Je regarde un coup de PC à quoi il ressemble. Oh, pas mal. Faut que je m'habitue à quoi ça sert. Mince. Sexe type, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir tous les talents, il y a tout qui est répertorié, c'est très très bien ça. Capacité pareil, au niveau des CT aussi, on sait toutes les CT qu'il y a dans le jeu. Vraiment pas mal, les Pokémon aussi, bien sûr, même ceux qui sont cachés. Alors, comment on change? D'accord,
Alors, les fonds de boîte n'ont pas changé, j'ai pas l'impression qu'elles ont trop évolué. C'est quoi ça? Ça, c'est toutes mes boîtes au total, d'accord. X, ça fait quoi? Équipe. Je comprends pas trop, c'est quoi ça? Bon, je sais pas, à force de faire, je pense que je comprendrai. On va soigner un peu pour voir l'animation. Toujours sympa, même si on est en pleine forme. Puis la Pokérus. Si seulement. Imaginez, on découvre le Pokérus. C'est le début de l'aventure. Voilà l'école de dresseur. Mais que se passe-t-il? Et à Tauros. Je crois bien que ce brave Tauros bloque le passage. Heureusement que nous nous rendons juste à l'école de dresseur. Nous nous occupons pas de lui. D'accord. Il y a Tauros dans le parage et vous vous en foutez. D'accord. On va par là-bas. Hey, Ram27, on dirait que je suis arrivé en premier. Enfin bref. Bienvenue à l'école de dresseur. Le passage obligé pour tout dresseur qui se respecte. D'accord. Là, il y a une petite cour. D'accord. Ah, professeur Form, c'est le nouvel élève dont vous m'aviez parlé. Ouais, faut qu'il apprenne le B.A.B.A. Et pour ça, quoi de mieux que d'ouvrir le bal avec 4 dresseurs. Amadzed, pour ta première leçon, tu devras d'être 4 dresseurs de l'école. Ça fera une bonne expérience pour ton Pokémon et toi. D'ailleurs, en parlant d'expérience. Ouah, multi-exp, dès le début. Objet rare, d'accord. Si tu actives ton... Oula, excusez-moi. Si tu actives ton multi-exp, même les Pokémon qui n'ont pas participé au combat gagneront des Pokédex. D'accord, je vous explique. Tout est clair, alors en piste. Elle n'en a pas l'air, la frangine, mais ses méthodes d'enseignement sont tip-top. C'est même elle qui a formé le capitaine de l'île. Bon allez, un dernier conseil. Pour la route, je te laisse tranquille. Après avoir affronté un Pokémon, tu peux voir lors des combats suivants de quel type de capacités sont super efficaces sur lui. Alors si tu veux te la jouer cool plus tard, je te conseille d'enchaîner les combats affligés. Ah, j'ai pas besoin de ça en fait, je les connais déjà, ma table de type. Tu peux faire un tour dans les hôtes d'herbe pour croiser un max de Pokémon. C'est toujours bon d'accumuler plein d'expérience. Ah d'accord, il y a une petite devise. Sympa. Un petit objet. Une potion, ça fait toujours plaisir. On va se balader un peu. Qu'est-ce que tu racontes toi? On dirait un four ça. Mon prof m'a dit de t'attendre ici. Si tu gagnes contre moi, je t'apprendrai un truc simple et très utile. D'accord, je pensais pas que c'était dedans. Je pensais que c'était à l'intérieur. Logan, la jeune sportive veut se battre. Ah, j'avais pas vu que c'était une raquette. Enfin, une genre de raquette. Oui, c'est ça. Ah, là, une super ball. Bon, une fois, les dresseurs de passage ont des balls spécifiques. Ça, c'est cool. Alors là, on va faire pic-pic. Ah, ça fait mal. J'espère que ça va faire assez de dégâts. Il y a 2 OHKO, sauf s'il fait rugissement. Il a fait écho. D'accord. Ça va, on le prend bien. Ah, oh, on l'a pas mis KO, je pensais. Il manque une petite attaque à priorité à ce rendez-vous. Et voilà. Tu peux améliorer les stats de tes Pokémon avec des capacités ou des objets. Ah bah là, ouais, ok. Je peux pas passer par là. C'est vraiment sympathique les décors, la musique. Vraiment, c'est cool. Il va faire partie de l'école, lui. Là, j'aurais dû me soigner.
Je vais tester sur toi les stratégies que j'ai apprises ici. Ok, teste sur moi. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi, hein? Prise d'acier, d'accord. Alors, le petit pic-pic qui va faire très très plaisir à Brandybo. Plus Crisacier donne pas mal de d'XP. Ah, c'est le Crisacier que... armure, là. On s'en fiche un peu. Allez, boum, KO. On est niveau 11. Étonnement, d'accord. Ouais, on va peut-être lui apprendre, je sais pas, je vais voir. Oublier une capacité à la place d'une attaque qu'on utilisera. Pas charge. Logiquement, c'est toujours utile. Oublier cette capacité. On apprend étonnement. Et ben voilà, j'ai pas fait mes devoirs, du coup, j'ai aucune tactique de frais. Un Pokémon empoisonné perd sa PV petit à petit alors qu'un paralysé, ben parfois il peut même plus bouger. Capacité des Pokémon ont plein d'effets différents, les gars. On va peut-être capturer un nouveau Pokémon, qui sait. Mais on va aller se soigner puis on va s'arrêter. Antipara, bah logique. J'ai envie de rencontrer un Pokémon, non, j'ai envie de capturer des Pokémon. Magnéti. Désolé, t'as pas de forme à Lola. Mon Brindibou va pas pouvoir faire grand chose, désolé, fuite. Je trouve que le jeu il est ni trop facile ni trop difficile. Donc ça va, c'est pas mal. Ah mais y'a que de ça ou j'ai pas de chance. Bon, je vais aller me soigner. Brindibou il est à la pêche. Hein. Ouais, je vais aller me soigner. Il y a plusieurs entrées en plus, on dirait. Ouais, je vais me soigner, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a eu quelques bugs d'enregistrement, ça arrive. Allez, on se soigne. On confie nos Pokémon. Hop, c'est parti. Merci d'avoir attendu, votre Pokémon a retrouvé la santé, à bientôt. Bah, merci infirmière Joël. Bah moi je vais vous laisser ici, j'espère que cet épisode vous a plu. Ouh, c'est quoi ça? J'ai plein de nouveautés, j'avais pas vu. Bon, vous savez quoi? On découvrira ça dans le prochain épisode, promis. Moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.